Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus sur l'émission Walamba, une émission qui va partout où il y a des événements culturels, qui va sur n'importe quelle berge. Aujourd'hui nous sommes sur les berges du fleuve Niger et nous sommes avec un grand artiste malien, un artiste de renommée aujourd'hui internationale, car il bouge sur l'ensemble des scènes, sur le continent africain, européen, américain et international, et j'en passe. Merci d'accueillir sur le plateau de Walamba, Cheikh Siriman Sissoko. Votre identité, oui. C'est important pour vous? Oui, c'est vraiment important parce que moi, mon papa, c'est un grand musicien. Donc, du coup, quand on évoque le nom Siriman Sissoko, ça veut dire quelque chose. Donc, je me dis pourquoi changer cela? Je viens d'une famille de griots, pourquoi changer mon nom? Oui, son nom vous suit, mais vous avez quand même su un peu, je ne vais pas dire vous détacher, garder une originalité et rester vous-même parce que vous chantez quand même. On va dire le Mali parce que vous chantez dans plusieurs langues du pays. C'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez le souci que le message passe plus? Bon, je pense que quand on est artiste, on doit pouvoir s'aventurer dans pas mal de styles, dans pas mal de langues. Du fait que les autres artistes utilisent beaucoup de langues. Nous, on n'est pas dans un pays anglophone, mais le Sénégal, le Burkina Faso, c'est la sous-région. C'est vraiment important qu'on essaye d'amener les langues. Par exemple, le sénégalais, c'est oui. Pas mon truc. J'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à employer les mots sénégalais. Dans oui, votre... oui, dans une de mes chansons. Parce c'est que j'adore le Sénégal. Youssou Ndour, c'est mon idole, en fait. J'adore le Sénégal. Donc, du coup, c'est pour cela que je cherche à exploiter un peu le côté Sénégal. Cheikh Siriman Sissoko, vous êtes issu d'une famille, comme vous allez dire, d'artistes. Oui, oui. La tradition, avant, voulait que dans nos familles, traditionnellement de griots ou de chanteurs, oui. Les enfants, ils suivaient soit le papa ou la maman, si c'était oui. La fille. Mais vous avez, en plus d'avoir suivi les traces du papa, oui. Mais vous avez voulu aussi aller à l'école. Vous êtes parti côtoyer les bancs du conservatoire Balafasike. Avant le conservatoire, je suis passé par l'INA, l'Institut National des Arts. Oui. Pourquoi? C'était parfaire votre parcours? Vous voulez apprendre vraiment? C'était parce quoi qu'au la fait, musique? Au fait, j'ai eu la chance de connaître des gens qui savent parler le français. Par exemple, avant, la musique, les gammes de la guitare, il y a des gammes qu'on appelle les gammes de griots. Exactement. Je suis parti à l'école afin de m'améliorer, de connaître la musique internationale, de connaître les gammes. Parce que moi, la famille, il n'y a personne qui a été à l'école de musique. Je me suis dit, pourquoi pas amener ce côté, musique traditionnelle malienne, surtout du casso. Pourquoi ne pas essayer d'améliorer ça, de moderniser ça, afin que les gens sachent que... Parce qu'au Mali, ici, la tradition orale,
pourquoi ça n'a pas eu beaucoup d'impact, parce que ça n'a pas été écrit. Ça n'a pas été écrit. Nous qui ont eu la nous qui ont eu la chance d'aller à l'école, donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'amener ça à un certain niveau que nos parents, nos ancêtres n'ont pas. Voilà. À vous. Il a quasimani, Jarabi, il a quasimani. Il a toromani, il a namo, il a toromani. Là, en 2015, nous sommes là. Il s'appelle Siriman, c'est ça? Bon, non, pourquoi Siriman? Parce que mon petit, mon fils, oui. Il s'appelle Siriman. Mon père, il s'appelle Siriman. Et toi, tu-même, tu portes Siriman? Moi aussi, j'ai ce nom. Donc, du coup, les trois Siriman, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de donner un sens à ça? Parce que... J'ai aimé certains titres, parce que là-dedans, il y a le morceau « Ça ne va pas ». Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, quand les gens entendent « Ça ne va pas », c'est une chanson d'amour qui parle sans la fille, ça ne va pas. Parce que l'amour... Comme on le dit, la vie c'est l'amour. Donc il faut. En fait, c'est une histoire réelle qui, voilà, que j'ai voulu partager parce que. Ah oui, personnel. Personnel, c'est personnel. Ben j'ai dit, beaucoup m'ont dit parce que je suis passé par une émission de télé-réalité qui s'appelle Kasanga. Donc du coup, en ce moment, les gens disent que ouais, telle personne il t'aime parce que tu sors à la télé. Tout le monde aime quelqu'un par rapport à une situation. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on aime l'autre. Tu es animé par l'amour, vous avez une animation incroyable pour l'amour et une joie. Mais après, il y a Fama aussi. Il y a quoi? Il y a Fama, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de... Elle a refusé, c'est ça? Non. Elle a refusé, complètement, non, en fait, elle ne voulait pas. C'est deux histoires différentes. Encore avec une fille? Oui, oui. C'est deux histoires différentes parce que je sortais, ça ne va pas. Attends, je viens. Donc je viens dans l'autre chanson, Yafama, il s'agit de ma femme. Ah. Parce que moi, mon femme, la femme vit, oui, votre femme, elle vit, elle vit en France. Oui. Donc du coup, elle me demande seulement de l'appeler des fois. Même là, tout de suite, elle m'appelle. J'ai dit, attends, je te rappelle. J'ai dit dans la chanson, tu n'as rien demandé que de t'appeler, de prendre des petites intentions. Parce que la femme, la femme a besoin d'attention. Exactement. Donc c'est pour elle cela. Elle a besoin d'amour, elle a besoin plus d'attention. D'attention. Mais si elle nous regarde, elle peut nous voir sur l'émission Walamba. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans une autre salle. Il est sur le plateau de Walamba. On vous l'assure, il est avec nous. Mmh. Et il est réel et il nous fait l'honneur d'être plaisir présent. À partager. Vous êtes bercé de chansons. Quand vous vous couchez, c'était la chanson. Quand le matin, chez vous, c'était de la chanson. Partout où vous y alliez, c'est la chanson. Avec les parents, c'était la chanson. J'ai envie de vous poser une question parce que Walamba, l'originalité de notre émission, c'est ça. Quand Cheikh Siriman se lève le matin et qu'il est joyeux, qu'est-ce qui trotte dans sa tête? Quelle est cette chanson? Quelle est cette mélodie qui vous arrive? Est-ce qu'on peut entendre le son de votre voix quand vous réveillez le matin? Ok, il n'y a pas de souci. Vous voulez avec la guitare? Avec la guitare. Je vais vous aider, allez-y. N'aime pas cela, n'aime mire l'aller, ça ne va pas. N'aime mire l'aller, n'aime pas cela, n'aime mire l'aller, ça ne va pas. On est bien les faits, mana kenya onya, I love you. On est bien les faits, bébé, oh, I gabani. Nitara janyola. Farasi jangola nibi miri kelimpelela niletara jangola ameriki jangola nibi pense hi kelimpelela bibe ne konilete san va pas ayi san va pas mbi fe bébé mi fe jarabi mi fe mon amour mi fe I love you mi fe bébé mi fe jarabi mi fe mon amour mi fe I love you.
Cheikh Siriman Sissoko oui. sur le plateau de Walamba. Walamba. Je comprends maintenant pourquoi vous devez dire pardon à madame, parce que avec cet amour que vous dégagez, ça ne doit pas être facile aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'argent, rien qu'à votre voix, la richesse de la culture qui vous anime permettra à toutes les bonnes dames de vous aimer, mais de, surtout d'aimer votre chanson. Si. Alors, c'est quoi les projets à venir? Au fait, les projets à venir, je suis parti en France, j'ai fait un atelier, oui, un atelier, une création avec une jeune dramaturge. Ouais. Le projet ça s'appelle Mali Sadio. On parle de l'histoire du Mali à travers la chanson. La fille, elle fait des textes. Nous, on parle de l'aventure. Depuis les temps de Modibo Keïta, les difficultés, à travers la chanson, nous, on soutient la fille. Par exemple, en France, là-bas, les gens pensent que là-bas, c'est l'Eldorado. La difficulté fait que les gens prennent des petites photos, des belles photos dans des beaux endroits. Donc du coup, derrière la photo, il y a la difficulté que les gens ne savent pas. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des différentes difficultés que les Africains trouvent. Parler de la réalité. Voilà, sur le parler continent. De la réalité. Les gens prennent beaucoup de photos, donner des images, qui fait rêver la jeunesse. Il faut aussi qu'ils disent ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai vu des gens... Ce n'est pas l'Eldorado en Europe. Oui, on ouais. peut y aller. On peut y aller. C'est normal. Vous êtes vraiment... un artiste engagé parce qu'aujourd'hui, le continent africain est en train de perdre sa force parce que la force, c'est la c'est jeunesse. La jeunesse. Son avenir, c'est la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le devenir de l'Afrique est en danger et vous êtes là pour montrer la réalité, sur dire ce que vous voyez sur les écrans, ce n'est pas seulement ça. Oui. Il y a aussi la misère là-bas. Restez chez vous, battez-vous et ça marche. Tout de suite, on a entendu la voix de l'amour. Oui. Alors, la tristesse chez vous, ça va sonner quoi quand vous êtes triste? Qu'est-ce qui vous revient dans la tête? Est-ce qu'il y a une chanson de vos grands-mères, de vos tantes, ou c'est pas même du papa, ou autre chose de votre idole, Youssoundour, ouais, Youssoundour. Qui vous arrive? Ouais. C'est quoi cette petite chanson? On peut l'entendre? Si Matumgenagana Lonfente Madou Amadou Nyangatuganga Lonfente Et Jadiri. Vous voyez un peu quand j'ai... Wow. En fait, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais j'ai écouté. La première fois que j'ai vu Youssoundour, j'étais en voyage aux États-Unis. Quand j'ai vu Youssoundour réunir les artistes d'Afrique, Nsekouba Bamino, ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, s'il y avait deux comme Youssoundour en Afrique, franchement, l'Afrique ne sera pas à ce niveau. On va lui envoyer le message parce que c'est ça aussi Walamba. Youssoundour, tonton Youssou, si vous êtes là, si vous êtes sur l'émission Walamba, alors il est là, Siriman. L'enfant de Siriman est là. Cheikh Siriman Sissoko, il veut être avec vous. C'est sûr qu'il va l'écouter parce que l'émission Walamba, c'est pas seulement sur le web, c'est sûr aussi sur l'ensemble des écrans. Nous sommes très heureux, ravis de vous avoir. Le plaisir. Et vraiment, gardez votre énergie, gardez tout cet amour qui vous anime. Oui. Et continuez à nous envoyer de l'amour. Merci, merci. Merci, Cheikh Siriman. Et bon vent. Merci. Pour tout le reste. Merci d'être avec nous sur l'émission Walamba qui vous fait découvrir des talents incroyables comme Cheikh Siriman. Et à bientôt sur vos écrans.